Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari, au menu un seul titre. À la une de l'actualité de ce 28 décembre 2013, le congrès statutaire du PNDS Tareya avec comme ligne de mire la succession de Issouf Mamadou à la présidence du parti Rose. Pendant ce temps, l'opposition politique regroupée au sein de l'ARDR a tenu un grand meeting à la place de la concertation de Niamey. Les opposants ont dénoncé les dérives de la gestion de la 7e République. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Grand meeting, je l'ai annoncé dans les titres ce matin, à la place de la concertation de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR. Il s'est agi pour l'opposition politique de dénoncer les dérives constatées dans la gestion des autorités de la 7e République. Plusieurs thématiques ont été développées à l'issue de cette manifestation. La synthèse avec notre porteur Asmar China. Voici l'image de la place de la concertation en cette matinée du samedi 28 décembre 2013. Cette foule immense a répondu à l'appel de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République. Le premier meeting de l'ARDR depuis sa création le 5 octobre dernier afin de dénoncer ce que l'opposition politique qualifie de dérive du pouvoir. Les problèmes réels auxquels est confronté le peuple nigérien sont éludés. Insécurité alimentaire, précarité sociale et cherté de la vie, situation scolaire et sanitaire en pleine déliquescence. Le président Issoufou Mahamadou a excellé dans la violation permanente de la Constitution, illustrée par des constitutionnalistes nigériens qui en ont relevé au moins 65 cas correspondant à autant de violations de son serment coranique. On peut citer à titre d'exemple la violation de l'article 52 de la Constitution par l'octroi de marché à des députés en exercice par des ministres qui n'ont jamais été sanctionnés pour cette faute attestée par un arrêt du Conseil constitutionnel. La liquidation ou la paralysie programmée de certaines institutions de la République, notamment les conseils élus, l'Assemblée nationale et le Conseil d'État. Les atteintes aux libertés publiques, notamment les libertés de réunion et de manifestation, allant jusqu'à l'éviction du pouvoir dans le fonctionnement des partis politiques. Les tentatives d'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité dans un climat de psychose sécuritaire permanente volontairement créé à dessein. Le pillage des ressources nationales, l'achat des consciences et la corporalisation de certains médias sont d'autres thématiques développées à ce meeting de l'ARDR. On assiste à un pillage organisé des ressources naturelles en vue de constituer un trésor de guerre au profit du président Issoufou Mahamadou, trésor de guerre qui pourrait atteindre, dit-on, environ 125 milliards de francs CFA destiné à l'achat de conscience et des postes pour une victoire au premier tour en 2007. Il en est ainsi de certains leaders de la majorité qui bénéficient déjà de cette cagnotte mafieuse à hauteur de 10 à 15 millions de francs CFA par leader et par mois contre renonciation à leur candidature aux futures élections présidentielles. Les mains invisibles de cette mafia organisée sont entre autres celles de Tahirou Mangal, Risa Mohamed alias Rimbo, PDG du groupe Rimbo, et du conseiller importé du président de la République, Salif Diallo. L'objectif visé consiste à détourner les richesses nationales avec la complicité d'un clan de préférence d'origine étrangère acquis à la cause du président Issoufou Mahamadou. Le stratagème vise à rendre vulnérable une catégorie de citoyens privés délibérément de l'accès au marché public en vue de les corrompre et les récupérer pour la cause du régime. Au plan de la communication, on assiste à une appropriation pure et simple de l'ORTF par le PNDS Tareya et à une mainmise sur certains médias privés en violation flagrante des lois et règlements régissant le secteur.
La RDR, c'est cette nouvelle alliance politique qui regroupe les trois grands partis. Le MNSD Nasara qui a géré le Niger pendant 10 ans, le CDS Rahama qui a dirigé le Niger de 1993 à 1996 et le Lumana Africa qui a soutenu le PNS Taraya pour accéder au pouvoir. De la place de la concertation, direction donc l'UPALE du 29 juillet, Archicombe ce matin. Et c'était à l'occasion du 6e congrès ordinaire du PNDS Taraya. Ces assises qui ont enregistré une forte mobilisation des militants et militantes du Parti Rose permettront, entre autres, pendant 2 jours, de mettre en place une nouvelle instance dirigeante du parti. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Adam Ousmana et Sabumi. Cadre par excellence de prise de décision pour la bonne marche du Parti Rose, ce grand rassemblement des militantes et militants autour du comité exécutif national du PNDS Taraya est significatif à plus d'un titre. Significatif d'abord par le fait que cette rencontre se trouve être la première du genre après l'accession à la magistrature suprême du pays de celui qui fut la figure emblématique du parti en la personne de Issoufou Mahamadou. Significatif ensuite parce que permettant au PNDS de juger sa force de mobilisation des hommes et femmes autour de ses idéaux dans le contexte politique actuel du pays. Un contexte marqué par de nombreux défis relevés par le président par intérim du PNDS Taraya Bazoum Mohamed dans son adresse à l'assistance à cette occasion, tout en soulignant les ambitions du comité exécutif national. Contribuer à consolider le pouvoir actuel avec le concours de nos alliés, comme je viens de le dire, pour créer un contexte favorable à la réalisation des promesses faites au peuple par le président Issoufou. Et deuxièmement, être performant aux prochaines élections locales, législatives et présidentielles. Dans le détail, les principales innovations que je propose aux congressistes consistent 1. À élargir le présidium du SEN en vue de renforcer ses capacités d'analyse, d'appréciation des événements et de prise de décision. 2. Créer 2 nouveaux secrétariats, l'un chargé de la politique du parti en matière de décentralisation et de développement communautaire, parce que notre pays est en train de faire une expérience qui aura effectivement avancé. Et le deuxième, chargé de la politique en matière d'environnement et de cadre de vie. Ce faisant, nous prendrions mieux en charge la modernisation de nos villes à travers notamment, pour ce qui concerne Niamey, le programme Niamey-Niala et l'assistance aux communautés de base en vue de l'accroissement de leurs revenus. 3. Redynamiser le comité central en faisant une large place aux membres élus par le Congrès afin qu'ils se sentent à cet effet plus responsabilisés. Restructurer l'organisation du parti au niveau régional pour faire de la commune le principal centre d'animation et de mobilisation du parti. Ainsi, désormais, les communes seront érigées en sections et les départements seront de coordination de sections. Rationaliser l'organisation du parti à l'extérieur en définissant le nombre de militants à partir duquel les adhérents résidant dans un même pays peuvent s'ériger en sections avec voix délibérative au Congrès. Préciser à travers nos textes des tâches spécifiques confiées à chaque membre du comité exécutif national pour éviter les conflits de compétences et faciliter l'évaluation de la performance de chacun des camarades qui aura été investi d'une quelconque responsabilité par le Congrès. 7. Doter le pays d'une véritable administration dont l'ossature sera constituée par un département chargé de la comptabilité et du patrimoine pour être en cela conforme avec les exigences souvent répétées par la Cour des comptes. Et deuxièmement, un département chargé de l'administration générale et du personnel, quelque chose qui nous fait en effet cruellement défaut. Cette rencontre à la hauteur des attentes des uns et des autres a enregistré, outre la présence de l'ensemble des fédérations du pays, celle d'une dizaine de sections de la diaspora nigérienne, mais aussi et surtout des partis alliés et amis, tant nationaux que d'ailleurs, qui n'ont pas manqué de louer le parcours du Parti Rose nigérien. Camarade président, je sais qu'il vous paraît normal que le Parti social-démocrate soit à vos côtés pour ce congrès.
Il s'agit d'une habitude liée à l'histoire. Nous sommes tous deux membres de l'Internationale socialiste et sommes deux partis de pays voisins. Nous sommes heureux d'affirmer ici même que notre alliance autour de Youssoufou comprend 36 partis politiques. Il y a 36 partis politiques qui ont soutenu Youssoufou au deuxième tour. En 1999, nous étions 4 partis à soutenir Youssoufou. Au deuxième tour, nous étions 10 partis en 1999 à le soutenir. En 2004, nous étions 11 partis à avoir soutenu Youssoufou au premier et au deuxième tour. Cette fois-ci, nous étions 10 partis politiques à l'avoir soutenu au premier tour et 36 partis politiques à l'avoir soutenu au deuxième tour. Ainsi, deux jours durant, les délégués mandatés à ces assises mûriront leurs réflexions afin de mieux restructurer le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, tout en le dotant d'une instance dirigeante digne de ce nom. Retenez le lancement des activités entrant dans le cadre de l'accompagnement des femmes enceintes séropositives. Plus de 70 femmes médiatrices communautaires seront mobilisées pour atteindre les groupes cibles qui sont les femmes enceintes et les femmes et les enfants plutôt séropositives. Ce projet est financé par le Bureau d'organisation des Premières Dames contre le SIDA. Et c'est la Première Dame du Niger, Hajia Aissata Yusuf Mamadou, qui a procédé au lancement des activités. Contribue à réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Accroître le pourcentage de femmes qui sont pour la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, PTME. Impliquer davantage les hommes dans le PTME. Tels sont entre autres objectifs du projet d'accompagnement des femmes enceintes séropositives. Un geste humanitaire qui a le soutien de la Fondation Gouri, en association avec deux organisations qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre VIH, AFCS Jaroumi et AFAS. Nous avons au total 70 médiatrices communautaires qui relèvent des réseaux, donc des personnes vivant avec le VIH, qui vont appuyer le CSI dans le cadre de sensibilisation, dans le cadre de counseling et dans le cadre de dépistage, donc en faveur de la PTME. Donc il y aura des dépistages qui seront faits et le projet va durer 3 mois. Donc sur les 3 mois, il y a une série d'activités qui sont programmées. Notamment, j'ai parlé de la sensibilisation dans les centres de santé. Il y a aussi donc les dépistages. Il y a donc VIH/SIDA. Il y a la médiation pour des familles donc, qui ont des problèmes donc, dans le cadre du VIH/SIDA. Il y aura des groupes de parole qui seront faits à l'intention des femmes dépistées donc séropositives. Il y aura aussi donc des visites à domicile qui seront menées et aussi donc il y aura des supervisions, des suivis donc autour de cette activité-là. Pour atteindre les objectifs, 22 sites du PTME du district 2 de Niamey sont ciblés, dont la maternité Madina qui a servi de cadre pour le lancement officiel des activités de l'accompagnement des femmes enceintes séropositives par la marraine de lutte contre le SIDA, la première dame Hajia Aissata Issoufou. J'avais annoncé dans mon discours du 1er décembre 2013 le lancement de cette campagne. Par ailleurs, j'avais au mois d'août passé mené une journée de plaidoyer en direction des leaders religieux et communautaires. En effet, comme vous le savez, l'épidémie du VIH n'épargne personne. C'est ce qui explique mon engagement face à cette maladie et l'intérêt que je porte à la question. C'est donc ce qui m'a conduit à adhérer à plusieurs organisations de lutte contre le VIH, parmi lesquelles l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le SIDA, OBDAS ou OAFLA en anglais. Notre participation active et constructive aux activités de l'OBDAS a permis de mobiliser auprès de l'ONU SIDA et des autres partenaires, notamment de l'IPPF, des fonds pour permettre aux organisations locales communautaires de mener des activités de proximité. Une initiative saluée à sa juste valeur par le ministre de la Santé publique. Si nous voulons réduire les nouvelles infections à VIH chez les femmes et les enfants et maintenir leur mère en vie,
nous devons mettre en œuvre des interventions dynamiques au cours desquelles les médiatrices communautaires vont renforcer la participation de la population à la lutte contre l'intensification des sensibilisations et la recherche des perdus de vie, c'est-à-dire ceux qui commencent un traitement et qui disparaissent. Il me plaît de souligner à ce propos que la première dame du Niger, Madame Aissata Issoufou Mamadou, a pour ambition de mener des actions de plaidoyer auprès des leaders religieux, des chefs de quartier et autres leaders communautaires pour impulser un changement positif dans ces domaines. Au Niger, le premier cas du virus du VIH-Sida a été découvert en 1987. Depuis cette date, le Niger a enregistré d'énormes avancées significatives dans le combat contre cette maladie, dont le taux de prévalence est aujourd'hui de 0,4. Les conseils élus de la ville de Niamey sont depuis ce matin en session ordinaire. Une quatrième session dite budgétaire, un exercice qui intervient donc après le bouleversement qui a eu lieu au niveau de la présidence de la ville de Niamey. Le compte-rendu avec notre porteur Michel Légy. C'est la dernière session des conseillers élus de la ville de Niamey au titre de l'année 2013. Une session ordinaire qui permettra au conseil de passer en revue les forces et les insuffisances de l'année 2013 et d'examiner particulièrement le projet de budget de l'exercice 2014. Le projet de budget que je vous soumets, que je soumets à votre examen pour son adoption, est arrêté en dépenses et en recettes à la somme de 21 619 729 682 de nos francs, soit une augmentation de 20,67% par rapport au budget primitif de l'exercice 2013, mais une baisse de 45,80% par rapport au même budget remanié suite à l'annonce faite par le Trésor, ou du moins de notre compréhension de leur annonce concernant l'arrangement de plus de 20 milliards en impôts rétrocédés au bénéfice de la ville en fin d'année 2013. Afin que le budget qui sera adopté soit plus réaliste et conforme aux aspirations des populations de la ville de Niamey, le maire président du conseil de ville a appelé les conseillers à s'y investir pleinement pendant les travaux. Je demande à tous les maires des arrondissements communaux et les cadres techniques de la ville de s'approprier du budget et de l'exécuter dans les règles de l'art. Chaque agent dans sa sphère de compétence sera jugé et évalué sur son rendement. Ceux qui sont chargés d'initier et de contrôler les politiques de développement de la ville seront jugés sur les faits, y compris moi-même. En ce qui concerne les promesses faites par le maire central après son élection à la tête du Conseil sur l'assainissement de la capitale, Hassan Seydou a affirmé être actuellement confronté à un problème de manque de fonds dû au fait qu'aucune somme provenant du trésor n'est jusque-là encaissée par le conseil. Il a enfin présenté ses meilleurs vœux pour l'année 2014 aux conseillers présents à la cérémonie d'ouverture de cette session de 4 jours. Célébration donc ce samedi 28 décembre 2013 de la journée nationale du contribuable et 3e édition. À cette occasion, le syndicat national des agents des impôts, SINAI, donc, et l'association nigérienne pour le civisme et la croissance et ont organisé donc une conférence débat à l'intention des contribuables autour du thème qui traite de la fiscalité au Niger. Le contrôle fiscal, véritable outil pédagogique pour la satisfaction du contribuable, tel est le thème central de la conférence débat organisée par l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC en partenariat avec le syndicat national des agents des impôts SNAI. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la Journée nationale du contribuable célébrée ce samedi 28 décembre 2013. Une initiative qui mettra en confiance les contribuables et les agents des impôts, notamment à travers des échanges sur les questions liées aux taxes et impôts. Les impôts et taxes constituent les ressources premières de la souveraineté d'une nation comme la nôtre. Or, leur mobilisation requiert beaucoup de sacrifices communs. C'est pourquoi la Direction générale des impôts
qui se place en tête de peloton des institutions chargées de la mobilisation des ressources internes, a estimé nécessaire de s'inscrire dans une nouvelle dynamique de communication et de concertation avec les partenaires privilégiés que représentent les contribuables. Ainsi, cette journée offre l'occasion aux contribuables et aux agents des impôts d'échanger sur les préoccupations majeures des uns et des autres en vue de leur prise en compte dans un esprit paternel et profitable à la nation nigérienne. D'ores et déjà, le thème de la présente journée permettrait à faire une analyse succincte de la pratique fiscale et de la réalité économique des contribuables. Le choix du thème de cette troisième édition de la Journée nationale du contribuable n'est pas fortuit, a déclaré le président de la NDC. En choisissant le thème de la présente journée, contrôle fiscal, véritable outil pédagogique pour la satisfaction du contribuable, nous visons simplement à renforcer le climat de confiance entre agents des impôts et contribuables, à encourager et stimuler les contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales en conformité avec les textes en vigueur, à former les contribuables sur les procédures fiscales, à amener les agents des impôts pour écouter, comprendre et satisfaire les préoccupations et les incompréhensions des contribuables, à éviter le contentieux fiscal après les procédures régulières de contrôle fiscal censées aboutir sur un niveau de compréhension mutuelle, à accroître les taux du civisme fiscal et de recettes fiscales, bref, à contribuer à l'amélioration de la pratique fiscale dans les entités économiques sans que celle-ci ne soit le facteur de contrainte au développement et à la croissance de nos entreprises et sociétés productrices de la richesse nationale. Autant que ce jour nous donne l'occasion de rendre hommage à la DGI, à ses responsables et à tous les agents des impôts, ce jour est aussi une occasion de grande reconnaissance à l'ensemble des contribuables qui font le sacrifice nécessaire à la survie de la nation, dans un esprit de fierté et d'attachement profond à la patrie. En effet, il faut reconnaître la grandeur des contribuables nigériens, leur effort inestimable et la valeur ajoutée indéniable qu'ils apportent dans la marche de notre nation. C'est pourquoi nous exhortons les agents des impôts et les responsables de la DGI à renforcer encore leur politique de communication et d'information des droits et devoirs des contribuables et d'aller vers l'adoption d'une autre initiative, celle de la récompense des meilleurs contribuables que nous nommons prix du meilleur contribuable. De sa création aujourd'hui, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANBC a organisé plusieurs activités avec le soutien de ses partenaires, plus précisément le SNAI, afin de sensibiliser les citoyens nigériens sur leurs droits et devoirs civiques. En atteste la célébration de cette journée dite du contribuable qui a enregistré la forte participation des agents des impôts, acteurs de la société civile et des contribuables. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Et restez toujours en compagnie des programmes de la télévision La Vari. Au revoir.